Et on recule. Bien, alors à mes côtés, j'ai un Yop et un Marix. Alors Yop qui va jouer Terre. On a déjà fait petit dégât là sur l'Hélio, c'est cool. Et Amarix qui va jouer... Tu joues quoi? C'est quoi comme mode ça? Terre aussi? D'accord. T'as un nano cheveux bizarre ou c'est moi? Tu veux que je booste? Ouais, je veux bien, c'est gratos. Ouais. Ouais, c'est un nano cheveux bizarre. En fait... ouais. Ok. Il a une rester en trop et une res au moins. D'accord, la petite vulnée. Alors en face, ils ont de la régène. Ouais, un petit peu. Bah surtout avec les cas, quoi. Merci pour la contrib. Et le bouclier élémentaire. Ok, t'as quelques résistances, hein, ça va. Ça va. Donc en fait, tout le monde est terre, là, dans le combat. Le sacré est terre, l'Eka est terre. L'héliotrope est haut. Curieux, mais haut. Et Doking va jouer terre, ouais, c'est ça. Donc il n'y a que l'Hélio qui est pas terre. Ok, trainer. Amarix is a friend. He's in the chat. Alors, pas vulné, manque un PO. Ah, dommage Amarix. Tu nous as tous déçus. C'est pas grave, on ne s'attendait pas à grand chose. Bien. Alors, là, je pense que c'est intéressant de mettre des funestes. Mais le truc, c'est que l'Hélio, jamais il va se les prendre, en fait. Donc, ouais. Ça dépend du placement de l'Eka. Merci Inti pour le ping. Pou. Yes. Ça marche. J'ai pas PO, j'ai pas ouais. Portée limitée non plus hein. On va essayer de se rapprocher. Toi, tu vas aller là. Bon, lui, il se prendra aucun piège, hein, ça c'est sûr. Mais le sacré pourra s'en prendre. Surtout que, bon, le sacré a pas d'ivoire. Mais quand vous mettez vos pièges pour que le type en face se les prenne, bah, il se les prend sans l'ivoire. Donc, il va forcément se prendre les gros dégâts, quoi. Exon, 3 runes, c'est la vie. Ah, t'es sur le live, Hides. Ok. Bon, bah tout le chat dit bien joué à Hides qu'on a vu tout à l'heure en atelier réussir son exo. Bien joué à toi Hides. Bravo, on t'a MP hein, alors il y a peut-être quelques-uns qui t'ont MP, c'est normal. Tout le monde dit GG là le chat. Soyez respectueux. Et Scapi qui met un petit 100 bits. Pour que je vienne en vocal avec elle. C'est sûr, c'est pas intéressant. Use. Oui, Scapi. C'est tellement urgent, faut trop que je te dise un truc. Hop, je la mute avant qu'elle ouvre son coca, hein, je pense. Mais non, c'est pas ça. Parce Scapi. Que tout à l'heure, j'ai fait... Allez, hop, la tocarde. Qui ne s'y attendait pas, le chat. Malaise de ouf. Full malaise, Florence. Full malaise. Bon, par contre, il s'est pris les pièges, lui, par contre. Hein. Je vois qu'il a plus beaucoup de HP. Alors, ça fait combien? Le funeste à moins 900. Le dérive qui lui fait prendre un deuxième funeste. Et là, moins 600. Ok. Merci en tout cas, Hides, pour ton message. Et continue dans tes exos. Full malaise.
Bien joué, Docking. On va se charger des deux autres. Je crois que je meurs. Non, 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 je pense pas. Ouais, il y a moyen quand même. Et Inti, va arrêter de me ping. Merci en tout cas pour tes pings. Fufu à 900, tu peux mieux faire. Oui, bah après, il n'y avait pas beaucoup d'entités autour. Il n'y en avait qu'une. Et Xavier aussi qui fait des petits pings. Écoute ton modo. Je vois. Bah ouais. Ouais, ça pue un petit peu pour toi, je t'avoue. Amarix. Surtout que je peux pas te méprise. Hein. Tout est ma faute. On va mettre ça là. On va se mettre ici. Adieu Amarix. C'est quoi la venue de Looper Mage? Alors Looper Mage, quand il tape feu puis terre, pour faire simple, il met une vulné de 20%. Donc ça fait une vulné gratos quoi. C'est fort. C'est plutôt fort. Oh, il laisse ses portails ouverts. Wow. Ouais, par contre là, retour de précis, j'ai pas réussi à faire un truc de ouf. Surtout que là, les pièges sont pas placés pour qu'il fasse un souffle. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait ses portails ouverts et que mon Yop reste sécure. Donc, s'il fait un souffle, c'est pas un truc de dingue, quoi. Ah, quand même, hein. Quand même. Ouais. Ok, le petit contre-coup. On tente le réflexe ou pas? 1300 HP. Ah, ok. Très bien. Je le tue 100%, hein, je le tue 100. Après, en 1v1, je pense que l'Hélio me défonce. Hein, ça, c'est pas je pense, c'est sûr. Enfin, putain, trop bien, trop bien. Il peut pas l'enchaîner, le chat. Ok, Misty Gris. Le petit chaton qui va le soigner, fait chier. D'accord. Donc on va extorsion. Chose trap. On va funeste, ouais. On peut pas le tuer malheureusement. Compliqué. Ah, j'aurais dû péter le chaton par contre. Ouais, 1500 HP. Sachant que mon Yop a un ébène sur la tronche. On va se prendre un 1000 là. Putain, il y a encore envie. Hein. Il tient. Do you often do, often do group 3v3. I did. But since meta pre-tech, no. Too much boring. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. This is prévu. Stream bilingue, incroyable. Mais oui, il y a... Il y a Trainer Jake
qui est anglais et qui participe beaucoup au chat, donc je dois parfois parler anglais. Ok. Excellent. Excellent, excellent. Quel plaisir, hein, les 1v1 sur cette map, quand il y a un Elio en face. Moi, j'adore. J'adore, hein, je... Bon, il se trouve qu'on est en 2v1, mais... Plus que deux, le chat! Plus que deux téléchargements qui seront les deux derniers. Ok. Merci Adam pour le Prime. Pas facile, pas facile. Alors, ouais, il va forcément flex de l'autre côté à un moment donné. Non, ok. Je pensais qu'il allait en profiter pour mettre un portail de l'autre côté, mais non. En vrai, cool, hein. Cool, cool, cool. Alors, s'il rota sur moi, c'est chiant, hein. Mais ça permet à mon Yop de respirer. Surtout qu'il kiffe laisser ses portails ouverts. Oh putain, Xavier! 900 bits! Gros soutien, Xavier, merci beaucoup. Surtout que t'as ping tout à l'heure en plus. Ce qui nous fait 1000 bits, pardon. Bah, merci pour le soutien, Xavier. Et vous avez reçu des cadeaux de la part de Xavier, du coup. Beaucoup trop fort. Alors, le scélérat des locks avant le funeste ou pas? Non. Non, non, non. C'est mal foutu, je trouve. Bon là malheureusement je pense qu'il va quand même torcher le Yop. Hein. Sauf que je le tacle pas quoi. Et c'est le train de l'hype qui est déclenché. Merci Ryuk, The God pour le Prime. Mais merci beaucoup pour tout ce soutien là. Il y a aussi Sinas qui donne 100 bits. Bienvenue au nouveau et merci pour le soutien comme d'hab. Ah le debuff. Le debuff donc il perd une vita. Putain, il y a encore envie le chat. Ok, c'est le moment, c'est le moment. Hein. Il n'y aura pas d'autre occasion de briller. C'est maintenant qu'il doit faire un maximum de dégâts. Et moi derrière, peut-être tenter d'achever. J'ai le showstrap qui peut aussi faire des dégâts. Donc, s'il me déloque l'ivoire, il me laisse avec 2000 HP par exemple. Je le ruine. Allez, Dawkins, go, go, go. Sachant que mon compoteur explose, donc pour moi, il meurt. Très bien. Un duel au sommet. Bah bien joué. Bien joué à vous, c'était chaud. Et bien joué à la team. J'ai fait des petites bêtises avec le SRAM, hein, pardon. Je suis pas encore un main. Mais la cape perforée, ça fonctionne. Hein. Alors j'étais en train de me dire... Puisque quand on est en invi, on proc forcément le 12e PA. Pourquoi ne pas dégager le cougnard pour remettre la dinde et avoir plus de stats? Je pose ça là.